Bonjour à tous, c'est Petit Sam. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'entretien d'embauche et sur cette question qui m'est très souvent posée. Comment on fait bonne impression en entretien d'embauche? Alors, je vais répondre à cette question en 7 conseils, 7 étapes qui vont vous permettre vraiment de marquer le recruteur, de faire bonne impression, de renvoyer une impression professionnelle. Et à la fin de cette vidéo, je vous offre un e-book pour encore plus de conseils. Mais donc déjà, la bonne impression en entretien. Le premier conseil que je vous donne, eh bien, c'est d'être ponctuel et même d'arriver en avance. Alors, ça peut sembler banal, mais moi, je peux vous dire qu'il y a une pratique que les recruteurs utilisent très régulièrement, c'est une fois que vous êtes parti ou même avant que vous rentriez en entretien, de demander à la personne qui se trouve à l'accueil, à l'agent d'accueil, combien de temps vous êtes arrivé en avance. Si vous êtes déjà là, combien de temps vous êtes arrivé en avance. Donc, attention, hein, faut pas arriver trop en avance non plus. Si vous arrivez 10 minutes en avance, un quart d'heure, 10 minutes, c'est bien. Si vous arrivez plus en avance que ça, ça va faire trop. Ça pourrait laisser penser que vous ne gérez pas forcément bien votre temps. Et puis, ça peut mettre un petit coup de pression au recruteur parce que lui, il sera peut-être encore en rendez-vous, encore sur un dossier ou encore avec un autre candidat. Et voilà, il ne va pas forcément apprécier. Mais voilà, 10 minutes, c'est pas mal. C'est vraiment un bon temps en avance pour arriver à un entretien d'embauche. Le deuxième conseil que je vous donne, eh bien, c'est surtout de prévoir les documents professionnels qui pourraient vous être demandés en entretien d'embauche. Donc, c'est-à-dire que sur vous, il faut que vous apportiez votre CV, il faut que vous ayez votre CV, parce que le recruteur pourrait vous le demander. Encore une fois, je sais que ça peut paraître surprenant qu'un recruteur vous demande votre CV en entretien parce qu'il a déjà eu votre CV, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en entretien. Mais il se peut que votre CV, il ne le retrouve pas, ou il ait oublié de le prendre, ou vraiment, il n'arrive plus à mettre la main dessus dans ses emails, ou alors son imprimante ne fonctionne plus. Voilà, il y a des tas de raisons. Donc, si vous avez votre CV que vous lui donnez, là, il va voir quoi le recruteur? Il va voir que vous avez anticipé, que vous vous êtes préparé et que voilà, vous vous comportez comme un professionnel. Également, la lettre de motivation, pour les mêmes raisons, prévoyez votre lettre de motivation au cas où. Si vous avez d'autres documents qui pourraient également vous mettre en valeur, par exemple pour les personnes qui ont fait des stages, si vous avez des bilans de stages qui sont positifs, amenez-les parce que vraiment vous pourrez les ressortir en entretien. Vous pourrez dire au recruteur que vous avez des documents qui relatent eh bien, le travail que vous avez fait dans d'autres entreprises et le point de vue d'autres professionnels, voire même d'autres dirigeants d'entreprise sur vous et sur votre travail. Et là, clairement, c'est ce qu'on appelle une référence et c'est la meilleure des références. Si vous avez d'autres documents, comme il peut arriver que vous ayez une lettre de recommandation, prenez-la. Franchement, vous en privez pas parce que si des personnes ont écrit des bonnes choses sur vous, c'est vraiment à l'entretien d'embauche qu'il faut les ressortir. Profitez-en, c'est vraiment très important. Tout autre document peut être bon à amener si vous pensez que, voilà, encore une fois, ça va vous mettre en avant. Troisième conseil que je vous donne, eh bien, c'est de bien vous préparer. C'est-à-dire, le recruteur, qu'est-ce qu'il doit percevoir à travers vos réponses? Eh bien, il doit percevoir que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise. Et ça, ça va s'entendre tout de suite si vous donnez des petits éléments sur les valeurs de l'entreprise, sur l'effectif, sur les perspectives d'évolution. Là, il va se dire, ok, ce candidat s'est renseigné. Montre également que vous êtes préparé en ayant vraiment bien en tête l'offre d'emploi. Parce que ça, c'est vraiment une erreur que je vois très souvent en entretien d'embauche, les candidats qui ont oublié des éléments de l'offre d'emploi, notamment dans les conditions de travail, et qui passent complètement à côté de leur entretien d'embauche, parce que dans leur réponse, eh bien, le recruteur aura perçu qu'il y a des choses qu'ils ont oubliées ou complètement des choses... On va dire par exemple, si vous demandez un CDI alors que l'offre est en CDD, eh bien là clairement on va dire non mais ce candidat il n'a pas bien lu l'offre. Donc là ça fera un très mauvais effet. Donc ayez bien en tête l'offre d'emploi. Même je vous conseille juste avant de rentrer à l'entretien d'embauche, eh bien vous relisez encore une fois l'offre d'emploi pour être sûr de l'avoir bien en tête. Également renseignez-vous un maximum sur le poste, il faut que vous le connaissiez sur le bout des doigts. Pour en parler vraiment de manière professionnelle et qu'on entende dans votre discours que vous savez exactement de quoi vous parlez et donc que vous êtes compétent pour le poste, tout simplement. Quatrième conseil que je vous donne, c'est pour faire bonne impression, de bien penser à votre tenue, de bien préparer votre tenue, c'est-à-dire une tenue qui va être adaptée au poste, adaptée à la fonction pour laquelle vous postulez. Mettez une tenue dans laquelle vous allez être à l'aise,
pour que votre entretien se passe vraiment au mieux. Cinquième conseil, votre attitude, à la fois pendant l'entretien et avant l'entretien. Donc attention à votre posture, attention comment vous asseyez sur la chaise, attention peut-être aux gestes que vous pourriez faire en parlant. Il ne faut pas trop de gestes, bien sûr, un petit peu, c'est pas grave. Je vous disais aussi attitude avant l'entretien. Parce que, encore une fois, le recruteur, il peut tout à fait se renseigner auprès de la personne qui est à l'accueil pour savoir comment vous êtes comporté dans la salle d'attente pendant que vous attendiez le recruteur. Donc là, surtout, pas de téléphone dans la salle d'attente. Rien qui pourrait attirer l'attention sur vous d'une mauvaise manière. Attendez patiemment, à la rigueur, regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez s'il y a des affiches, s'il y a de la communication écrite, visuelle dans la salle d'attente, parce que encore une fois, ça pourra vous donner quelques informations supplémentaires sur l'entreprise que vous pourrez utiliser en entretien. Mais faites-vous discret, attendez patiemment, ayez vraiment une attitude professionnelle. Sixième conseil, le sourire. Il faut du sourire. C'est la première chose que le recruteur doit avoir, c'est votre sourire. Ayez l'air agréable. Donnez envie au recruteur de passer ce moment-là avec vous. Le sourire en tout début d'entretien, en toute fin d'entretien et régulièrement pendant l'entretien. Alors attention, je ne vous dis pas de sourire du début à la fin, loin de là. Mais un sourire dès que vous rencontrez le recruteur, un sourire quand vous lui dites au revoir et quelques sourires voilà, pendant l'entretien. Dernier conseil pour vraiment faire bonne impression, ça c'est un conseil pour après l'entretien. Faites une relance, c'est-à-dire soit vous pouvez faire le choix le soir même du jour où vous avez l'entretien de dire voilà, je tiens à vous remercier pour ce temps que vous m'avez accordé, cette entrevue que vous m'avez accordée, j'ai notamment apprécié tel point, tel point, tel point. Et là je peux vous dire que ça fera une excellente impression, même pas une bonne impression, une excellente impression, parce qu'il y a tellement peu de candidats qui le font et qui mettent en avant pourquoi ils ont apprécié l'entretien et surtout ce qu'ils en ont retenu de l'entretien, que là clairement vous allez faire une super impression et surtout vous allez faire la différence. Ou alors quand je vous parle de relance, ça peut aussi être quelques jours après l'entretien, moi je dirais plutôt même une semaine, 10 jours, si vous n'avez pas de réponse du recruteur, faites-lui un petit mail en lui disant « Voilà, on s'est rencontrés à telle date pour un entretien. À ce jour, je n'ai pas eu de réponse de votre part. J'aimerais savoir où vous en êtes dans l'étude de ma candidature. » Tout simplement, et là encore, ce ne sont pas tous les candidats qui le font. Donc, en le faisant, vous allez montrer que justement, l'offre vous intéresse toujours, que vous avez toujours envie de travailler dans cette entreprise et que vous êtes toujours disponible. Parce que le recruteur sait également que même si vous postulez chez lui, vous avez fait d'autres candidatures et plus le temps passe et plus vous risquez de ne plus être disponible. Donc voilà pour ces 7 conseils, vraiment pour faire une bonne impression en entretien d'embauche et même avant et après l'entretien d'embauche. Pour plus de conseils, eh bien, un e-book que je vous offre et il concerne 45 conseils sur la recherche d'emploi, le CV, la lettre, l'entretien d'embauche. Pour le recevoir, très facile, j'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus et ça arrive dans quelques minutes dans votre boîte mail. Donc moi je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.